Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce Last Story d'Underworld de 2019 sur la suite de cette fresque dont je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve pour la fin pour les quelques descriptions. Voici, nous voilà arrivés à la fin de ce Last Story d'un Drawer de 2019 sur la suite de la fresque avec un nouveau personnage qui s'appelle Rokona, qui est un personnage où j'avais écrit beaucoup de choses sur lui. J'avais écrit surtout qu'en fait il ne mangeait que de la pierre parce qu'en fait il est fait de roches volcaniques. Hein. C'est un monstre fait seulement de roches volcaniques. On pourrait dire que c'est un golem de pierre. Et donc voilà, un petit golem de pierre parce que vous voyez la taille qu'il a par rapport. Bon, là on l'a pas tout en entier. Vu qu'il est sur un des autres, il est au-dessus, et en plus, vous voyez, il ne montre pas la direction du personnage principal qu'on avait fait, le premier personnage du premier épisode, hein, si vous l'avez regardé dans l'ordre, bien sûr, et il montre celui qui est à côté, on ne sait pas trop s'il se moque et tout, mais vous allez voir, il y a un contexte qui va se mettre petit à petit, et je le donnerai, bien sûr, à la toute fin, au tout dernier épisode, qui sera le 52e, hein, donc il y a le temps, hein, oui, parce que, comme vous le savez, il y a un personnage par semaine, donc ça veut dire un personnage et bien un épisode donc par semaine, donc voilà, un personnage par semaine, donc un épisode par semaine, c'est normal. Donc voilà, donc ce personnage, bah, il n'a pas de mâchoire parce qu'il avale de suite les comment dire, les minéraux, les pierres qu'il mange, et donc voilà. Donc, et par contre, il n'a que trois doigts parce qu'en fait, ses doigts, c'est comme des fourches en fait. Quand il plante dans la roche, il plante direct et puis il broie avec un petit peu avec ses doigts et puis hop, il les met dans sa bouche. C'est ça que j'avais noté. Son régime alimentaire en fait. Il vit surtout près des volcans, des zones montagneuses surtout, donc là où il y a beaucoup de roches généralement, donc il évite surtout les coins où il y a pas beaucoup de, voilà, il y a pas beaucoup de roches du style les forêts ou les comment dire les cours d'eau. Il y a beaucoup de roches sur les cours d'eau, mais j'avais marqué les cours d'eau, donc peut-être parce qu'il y avait pas, y a, c'est peut-être de l'eau, c'est peut-être l'eau qui l'empêche de faire des choses. Je ne sais plus si j'avais noté ça là-dessus, mais j'avais noté quelques petits trucs sur ce petit personnage qui s'appelle Rokonin, le nom Rock Onin, voilà, donc voilà, c'est assez rigolo les noms que j'avais donnés, Rokonin, bon bref. Donc voilà pour ce Last Story d'Andrew de 2019, n'hésitez pas
à faire ce qui va apparaître à l'écran, un pouce levé, vous abonner, tout ça, hein. Vous avez aussi les divers réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner dessus dans la description de cette vidéo pour en savoir plus sur ce qu'est la Salut Tout le monde Jean Prod et aider celle-ci, comment, en partageant, en retweetant les différents posts, comme ça des gens viendront ou voir les vidéos ou voir les différents posts sur ces réseaux sociaux et viendront donc donner leur avis, émettre une critique ou poser des questions ou encourager, hein. Je ne sais quoi, et donc ça permettra donc d'aider à l'avancée des choses de cette chaîne et de cette Salut tout le monde les gens prod, et donc voilà. Par contre, je préfère préciser, mais tout commentaire insultant, je les supprime, hein, je préfère le préciser. Les seuls commentaires négatifs que je garde, c'est les critiques négatives qui disent que vous n'avez pas aimé un truc en expliquant pourquoi, et que donc ça va m'aider à l'amélioration, parce que ça me permettra, si je peux ou non, le modifier et changer quelque chose et vous permettre d'avoir quelque chose de plus de plus amélioré pour la suite des choses. Donc voilà, et là par contre vous en serez beaucoup remercié, comme je vous remercie de m'avoir suivi et vous donne rendez-vous et bien une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.